Nous étions trois capitaines, tous les trois sur le même bateau. Nous étions trois capitaines, tous les trois sur le même bateau. Nous sommes entrés dans une auberge, c'était pour boire du vin nouveau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Nous entrés dans une auberge, c'était pour boire du vin nouveau. Nous entrés dans une auberge, pour boire du vin nouveau. La patronne de la maison nous dit de monter en haut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Alors, M. Guillemette est ici pour une raison bien simple, c'est que en 1982, M. Guillemette était le musicien attitré pour la soirée canadienne de Sherbrooke. Il avait joué avec un joueur d'accordéon qui s'appelle Denis Côté, je pense. Avez-vous fait plusieurs émissions avec Louis Bilodeau aussi? On a fait la série 82-83. On a fait un bloc de 39 émissions. Oui. Simon était déjà là à l'époque, alors on a rajouté Denis Côté, puis moi, en 1982. J'ai la même contrebasse ici que j'avais en 1982. Bien, elle n'a pas vieilli, c'est comme vous. J'ai des photos qui prouvent que j'ai vieilli pas mal. J'ai des photos ici, là. Et on arrive au Canada, puis toutes nos gens sont au dépôt. Et on arrive au Canada, puis toutes les gens sont au dépôt. Ah bonjour donc, Américain, avez-vous appris à parler l'anglais? Puis envoyons de l'avant nos gens, puis envoyons de l'avant. Puis envoyons de l'avant nos gens, puis envoyons de l'avant. Chantons la vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vignon le vin. La voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. La voilà la jolie vigne au vin. En fait, là, j'ai croisé tout à l'heure Mme Blair, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est dans la salle. Ah, elle a bonsoir! Elle m'a joué après la couette tantôt pour me dire bonjour. Et puis, M. Billette, qui était dans ce coin-là tout à l'heure, ah, bien, il est là. Alors, c'est pas M. Billette qui doit quitter avant 8 heures pour un autre événement, c'est moi. Puis, j'étais vraiment contente d'avoir l'opportunité de voir un extrait de la soirée de 1982. C'est l'année de ma naissance, alors vous comprendrez que j'étais pas là. Et c'est aussi important pour moi parce que je découvre la culture québécoise. Mes parents étant vietnamiens, j'ai pas appris ce type de chanson-là quand j'étais jeune. Derrière chez nous, il y a un champ de pois, j'ai vu le loup, le renard passer. Derrière chez nous, il y a un champ de pois, j'ai vu le loup, le renard passer. J'en cueillis deux, j'en mangeais trois, libéraux, libéraux, j'y claque la boursaille, j'y griffe la ratatouille, j'y ramasse le libéraux, et puis j'y claque, claque. Je la remets de bord, puis je la rabote encore, j'ai vu le loup. Number two with number three, circle, two and three. Two and one, circle. Two and four, forward and back. Cross over. Alors, on a l'honneur, la chance d'avoir avec nous le député provincial. Merci, M. Savaria. Je veux dire, c'est pas la première chance qu'on a de se rencontrer.
je pense qu'on se rappelle tous de bons souvenirs de quelques années ce soir. Et qui ne se souvient pas, moi je me souviens des souvenirs de la soirée canadienne où je vais me déshabiller vite au hockey parce que je finissais à 6 heures le soir pour pouvoir être à la maison ou à samedi soir à 7 heures pour écouter la soirée canadienne avec mon père, mes sœurs. L'an dernier, on a fait Hawick. Cette année, c'est Saint-Antoine. M. Savary a toujours impressionné. J'ai toujours des liens partout. Puis moi, je vais vous dire, si Saint-Antoine n'existait pas, je n'existerais pas. Parce que mon grand-père a rencontré ma grand-mère dans le rang de l'artifice, Lucienne Asselin, qui est de Saint-Antoine-Abbé. Fait que vous voyez que j'ai un lien. Il est toujours impressionné parce que j'ai un lien dans chacune des municipalités. Vous, vous êtes une coiffeuse. Est-ce que vous coiffez encore? Très peu. Très peu? Parce que ma santé ne le permet pas. Donc, vous quoi? J'en ai fait une aujourd'hui pour lui faire plaisir. Une madame qui est ici? Non. Oh, pas j'aurais ici. Aimé voir les résultats de la coiffure. Ah, oh, super belle, la madame. Oui. Elle était bien heureuse. Ben, vous parce qu'elle voulait que je fasse ça comme il y a 25 ans. Ben là. C'est difficile si je vous demandais de faire quelque chose, il y a comme il y a 25 moi, ça ans. Moi, ça me prendrait une méchante perruque. Hein? Non, oui. Moi, j'ai essayé ça une perruque une fois, j'ai pas aimé ça. Vous savez, quand on va se baigner avec la perruque, là, tout d'un coup, on est en train de nager, puis la perruque se met à flotter, là. Non, merci d'être avec j'ai nous. J'ai eu la chance d'aller à la coiffure mondiale de Paris en 1992. Une mondiale à Paris de coiffeuse, c'est 40 000 personnes. Fait qu'il y a des choses à voir. Mais j'étais contente d'avoir pu faire ça. Et puis... je le sais, il n'y a pas d'enveloppe brune chez vous non plus. Les enveloppes brunes, c'est quoi? On vous dit ça. J'ai jamais entendu parler de ça. On m'avait dit que vous n'étiez peut-être pas pour vous représenter. Vous avez changé d'idée ou... Ben, quand non, on... mais j'avais décidé, mais quand est venu le temps de dire adieu aux citoyens de dur, Franklin, c'est dans mon habit, je sentais que... Ils n'ont pas voulu... C'était pas fini l'affaire, mais je ne sais pas. Ils, mais... ont pas voulu, ils voulaient vous garder, là. J'ai eu de la difficulté bon. À dire au revoir. Ça doit être parce qu'ils vous aiment. Non, peut-être, mais moi, je les aime beaucoup. Ça me rappelle les grands souvenirs parce que j'étais là, le 31 oui. ans. Disons que mes cheveux ont changé de couleur un peu. Moi mais aussi. La forme, elle a peut-être profité aussi, un peu. Moi aussi un peu. Bon, ben, je vous souhaite tous de passer une très belle soirée. Merci beaucoup. Ben, merci d'être merci, avec monsieur. Nous. Merci, monsieur. Quand j'étais chez mon père, garçon, t'as marié. Quand j'étais chez mon père, garçon à Paris, je n'avais rien qu'à faire qu'une femme à chercher. Tandis que je suis jeune, laissez-moi divertir. Tandis que je suis jeune, laissez-moi divertir. Doyenne, ça fait longtemps que vous êtes ici, c'est Saint-Antoine-Abbé, ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui. Ça fait longtemps? Depuis ma naissance. Wow! Vous êtes dans quel rang vous êtes nouveau? La 201? La Rivière Noire. La Rivière Noire. Il y en a, vous savez, des Rivières Noires, là? Moi, mes grands-parents demeuraient à Saint-Valérien. Oui. Il y avait là aussi une Rivière Noire, mais c'est pas la même, certain. Non, c'est pas la même. Il y avait une Rivière Noire partout. Oui. Vous savez que cette madame-là, j'ai appris qu'elle a en fait l'école à Jean-Gilles Bourdeau, imaginez. Ben oui! Hey, ça doit... Il devait être tannant pas mal, hein? Il était-tu tannant? Non! Il est là, là. Non. Ah oui! Non, mais il devait être un peu tannant des fois. Non, il était très gentil, puis c'était le meilleur de ma classe. My gosh, il a changé beaucoup, hein? Non, non, il n'a pas changé! Et puis, ben, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Qu'est-ce que vous avez? Toyota. Ça ne porte pas avec la crainte, ça, là. C'est pas un jeune, là. Non. Non, c'est 2001. Ben, 2001, regardez, moi, je suis un 39, puis je suis encore vivant. Non, mais c'est 2001, c'est tout jeune, ça. C'est quasiment comme des bébés. Ça va bien, pour ça. En tout cas, vous avez là? Ça fait 65 ans cette année qu'on est mariés. Ben, on vous félicite. On les félicite, hein? 65 ans de mariage. C'était une pauvre vieille qui en aurait du mal dedans. C'était une pauvre vieille. J'ai su que vous avez été impliqué un petit peu dans la construction de cette affaire-là, cette salle-là, on me dit. Vous me racontez comment ça s'est bâti, cette salle-là. Là. Est-ce que vous avez eu de l'argent du provincial, du fédéral, du municipal? Oui, ou... j'ai bâti ça avec fierté, comment c'est? C'était une bâtisse qui appartenait à la municipalité. Oh, il y avait déjà une petite bâtisse? Non, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il faut lui le faire dézoner. Ça, c'est plate.
Ça n'a pas été trop trop pire. Mais moi, quand j'ai été élu maire le 3 novembre en 92. Le soir même, je m'étais allé chez nous, on a fêté un peu, puis j'avais de quoi dans la tête. Pour commencer, j'ai pas honte de le dire, j'étais un bon libéral. Bon, c'est okay. Ça donnait bien. Les deux députés étaient sur le bon bord. Ça aide, ça. J'étais, M. Laniel. Laniel, il m'a donné 100 000 piastres. Moi, j'ai pas honte de le dire. Puis, on a commencé à bâtir la salle. Puis, je suis fier de l'avoir bâti pour ça. Voyant qu'à mon flacon, l'anglais fait les yeux doux, je lui dis sans façon, « Milord, en voulez-vous? » Oh yes, qu'il me répond, et moi, par convenance, je veux essuyer le bord de mon verre à l'avance. Voilà le printemps bientôt arrivé. 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 Que tous les amants vont s'y marier. L'as-tu vu voler le ruban du ruban? L'as-tu vu voler le ruban de mariée? L'as-tu vu voler le ruban du ruban? Moi, quand vient le temps d'une fête, j'ai toujours le cœur gai. Je dis de bien belles choses à tous les invités. Malgré que la voix change et la coursie le pas, nous vieillissons ensemble, mais le cœur ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. Merci aux danseurs, merci aux musiciens.